Bonsoir à tous et bienvenue à ce 19h à la une de l'actualité sur ADK TV. Le dimanche 20 octobre 2024, une réunion s'est tenue à la maison du parti PDCI-RDA de Bokanda, rassemblant les députés et délégués et cadres du parti. L'objectif de cette rencontre était d'organiser de manière concrète la révision de la liste électorale. Lors de la réunion, l'honorable Athanase Kofi Kwame, député de la nation élu de Bokanda, a exhorté chaque militant à sensibiliser leur entourage afin d'assurer une participation massive à cette opération cruciale. Il a souligné l'importance de cet engagement pour garantir une mobilisation forte lors des échanges électoraux à venir. Et puis l'opération de révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire a débuté ce samedi 19 octobre 2024 sur l'ensemble du territoire national. Cette initiative menée par la Commission électorale indépendante CEI permettra de mettre à jour les données des électeurs, de radier les personnes décédées et d'enregistrer les nouveaux requérants remplissant les conditions d'âge et de nationalité. Malgré un début marqué par une faible affluence, les autorités espèrent une augmentation des inscriptions avant la fin de l'opération prévue pour le 10 novembre. Les bureaux sont ouverts du mardi au dimanche de 7h30 à 17h30. C'est la fin de cette randonnée de l'information. Merci de l'avoir suivi. La rédaction sera de votre vendredi.